Loup, vers nos prises de parole, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, hein, je me présente Yannick Chandessel, je suis délégué syndical à Maubeuge Construction Automobile. Je suis aussi défenseur syndical et je suis aussi également président des syndicats CFTC du Sambre-et-Loire. Donc, je représente aussi ma région, tout comme vous. Vous ne pouvez pas imaginer l'annonce, quand elle est apparue hier dans les médias, l'inquiétude qu'a provoqué depuis ce matin parmi tous mes collègues de travail. On n'a pas arrêté d'avoir des coups de fil pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a tous cru que c'était un fake news à la base. Et finalement, il s'avère que c'est des propos qui ont été tenus par Renault, la direction générale, que je rappelle par intérim. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de directeur général. Le nouveau directeur général prendra ses fonctions à partir du 1er juillet. Ça, c'est grave. C'est du jamais vu, d'ailleurs. Combien de pères, combien de mères, combien de fils, combien de petits-fils ont travaillé à MCA ? MCA, c'est une entreprise familiale. Tout le monde dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a travaillé à MCA. Ils ont tous travaillé sur les chaînes de fabrication. Certains y ont laissé même peut-être leur vie. Aujourd'hui, on nous apprend, on apprend que MCA serait parmi les usines touchées par un désassemblage, une délocalisation de l'assemblage. Des propos honteux, comme l'a dit mon collègue. On est en train de vivre peut-être un séisme jamais vécu dans l'histoire des plans sociaux. Quand j'ai entendu tout à l'heure le mot « guerre », c'est un mot fort, puissant. Et c'est vraiment une déclaration de guerre qu'aujourd'hui Renault est en train d'entreprendre envers nous. Je pense à ma famille, je pense à mes enfants, je pense à mes futurs petits-enfants, comme vous, vous avez votre famille autour de vous. Demain, on a tous un avenir à MCA. MCA est une usine compétitive, elle l'a prouvé par le passé, par des accords compétitivité. On a eu des réductions drastiques d'emplois. Et aujourd'hui, on nous met une épée d'Amoclès sur la table, sur la tête. C'est inacceptable. La guerre, on va la déclencher. Merci. Ouais.